au nom du centre Yair Manitou et du centre communautaire Emouna Shlema, nous sommes heureux de vous accueillir ce soir à la deuxième leçon du séminaire de Tishri, dont le titre est « De la Teshuva à la Simcha ». Vous devez savoir que c'est le titre que le président du centre Yair Manitou a donné à ce séminaire et qu'il a organisé ce séminaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de force du tout. Je voudrais dire seulement un mot sur Gérald, un seul, parce que nous organiserons probablement un Shabbat uniquement à son souvenir. Je voulais dire que tout ce qu'a fait Gérald pour le centre Yair Manitou, il l'a fait le Shem Shamayim, je ne trouve pas d'autre mot en français, c'est-à-dire d'une manière totalement désintéressée. Et vous qui savez comment les gens vivent de nos jours, je pense que vous êtes capable d'apprécier cette qualité qui en dit long sur une personne. Encore un mot, le titre de la leçon de ce soir, c'est Tzedek. Et justement, le Tzedek était une des préoccupations constantes de Gérald. Il y a de cela 3 ans, nous devions organiser toute une conférence sur ce sujet avec des économistes. Et par ironie, nous avions donné comme titre à cette conférence « Est-ce que les inégalités sociales seraient par hasard une condition de la croissance économique ?» C'était ironique comme question, parce que déjà, nous étions scandalisés par la situation d'inégalité extrême dans un pays juif. Et nous pensions qu'il fallait qu'une voix juive s'élève sur ce sujet. Il se trouve qu'apparemment, c'est exactement ce qu'a voulu dire le Rav Ben Ishaï, puisqu'il a utilisé pour une leçon de Tishri, c'est-à-dire extrêmement importante, ce sujet de Tzedek. Et je lui cède la parole, je voulais dire que nous avons là une rencontre entre le centre Yair Manitou et le centre communautaire Emouna Shelema. Grâce à l'initiative de Marilyn Taïeb, nous collaborons ensemble et nous sommes hébergés ici dans le centre communautaire Emouna Shelema. Et vous voyez que sur le fond aussi, eh bien, il y a une rencontre et nous espérons que cette rencontre sera fructueuse. Je donne la parole. Je voudrais ouvrir la soirée par quelques mots en l'honneur de notre ami Avraham Sanonia Zichrono Livracha, et parler des 3 dernières rencontres que j'ai eues avec lui. Un jour, il me guettait pour m'attraper pour cette série de cours prévue par le centre Yair, et il m'a dit qu'il tenait absolument à me contacter, non pas par téléphone, mais à venir me trouver pour être sûr que je puisse participer à ce séminaire qu'il a mis sur pied et qu'il a organisé. Et j'ai vu déjà combien les choses n'étaient pas faciles pour lui au niveau de sa santé, mais combien il faisait ça avec tellement de cœur que j'ai même pas osé lui refuser. Et quand il m'a demandé éventuellement quel serait le sujet, j'ai senti tout de suite que, et à la fois la veille de Rosh Hashanah, et à la fois par rapport à la personne qui était devant moi, l'idée de Tzedek serait une idée qui convenait tout à fait, et c'est pour ça que ce sujet a été choisi. Et on va évidemment se relier en cela à la pensée de Manitou, Zichrono Livracha. La deuxième fois où je l'ai rencontré, c'est un jour avant son départ, pour un monde où il n'y a que justice et vérité, et malgré l'état où il se trouvait, on a quand même réussi à communiquer sans mots. Et
la communication sans mots entre les hommes est plus profonde que la communication qui se fait avec des mots, parce que les mots limitent la capacité de la communication dans les mots eux-mêmes. Et la troisième fois, c'est quand le secret a commencé à se révéler de qui était la personnalité de cet homme-là, combien il a œuvré pour le Tzedek et pour le Chesed, et finalement pour ce que j'ai appelé comme complément du titre de Tzedek, Arva, c'est-à-dire justice et fraternité. Et c'est par là que je voudrais commencer donc l'exposé de ce soir. Nous avons appris de Manitou Zichrono Livracha qu'un des thèmes les plus centraux de la création du monde et de l'apparition de l'homme sur Terre se trouvait dans la recherche de la capacité d'être frère. C'est comme ça qu'il appelait ça. C'est une grande découverte que nous a fait découvrir Manitou, qu'en réalité, avec l'apparition des premiers hommes nés, Adam et Chava ont été créés. Et ensuite, les deux premiers frères, Caïn et Hevel, eux sont déjà nés. Avec la naissance de l'homme, donc pas la création de l'homme, mais la naissance de l'homme, apparaît un défi dans le cadre de l'histoire de l'homme. Ce défi, est-ce que l'homme va pouvoir se révéler non seulement comme homme créé à l'image divine? Ça, c'est le défi que Adam Arishon devait relever. Est-ce qu'il va être capable d'assumer une fonction de fraternité? C'est-à-dire avoir la capacité non seulement de supporter l'autre, de l'assumer, mais de coopérer avec lui dans l'idée que finalement, aucun homme n'étant parfait, il a toujours besoin de quelque chose de complémentaire. Et cette complémentarité s'appelle celui qui est ton frère. Alors, dans la première source que vous avez sous vos yeux, et qui nous raconte l'histoire de Caïn et Hevel, les deux premiers frères de l'humanité, tout de suite sous le titre Tzedek ve'Arva, vous avez les premiers versets du chapitre 4 de Bereshit. Ce que nous allons essayer de remarquer dans ces versets-là, c'est que le mot qui va revenir sans arrêt est effectivement le mot de frère. Je lis les versets. Ve'Adam yada et chava ishto vatar vatelet ben et Kain. Vatomer kaniti ishet Hashem. Le premier homme né s'appelle Kain. C'est comme ça que Chava décide de l'appeler pour des raisons qu'il faudrait développer. Et alors, là apparaît la première remarque importante. Vatosef la ledet et achiv et havel. Et elle, comment dirais-je, mettra au monde de plus son frère Hevel. C'est-à-dire que la Torah, quand la Torah parle de cet accouchement, du deuxième accouchement de Chava, donc du deuxième homme qui va naître, comme je disais tout à l'heure, pas qui va être créé, mais qui va naître, elle accouche d'un frère. Et il s'avère que ce frère s'appelle Hevel. Vous sentez l'ordre des choses? Vatosef la ledet et Hevel. Et arrive. Or la Torah dit le contraire. La Torah dit que Chava n'a pas accouché de Hevel, qui est son deuxième enfant, elle a accouché de son frère. C'est comme ça que c'est marqué dans le texte. Vatosef la ledet et achiv. Ah, sache une chose, c'est qu'il s'appelle Hevel.
Donc, la Torah met tout de suite l'accent sur quoi ? C'est que là commence, dans l'histoire de l'homme, une nouvelle dimension. Une dimension qu'on n'a pas connue jusqu'à présent. Et cette dimension, c'est, est-ce que on va voir maintenant apparaître sur terre, non pas deux hommes, mais deux frères. Chacun d'eux a un nom. Le premier s'appelle Caïn, le deuxième s'appelle Hevel. Mais pour la Torah, il est beaucoup plus important de savoir que Caïn a un frère. C'est à la rigueur moins important de savoir comment il s'appelle, bien qu'on va nous donner son nom. Mais il est très important de savoir que la mère de Caïn va accoucher de son frère. Et je saute quelques versets. Arrivons au verset Chet. Vayomer Caïn el Evel Achiv. Vayibiotam basade vayakom Caïn el Evel Achiv vayargeu. Et voilà que Caïn s'adresse à Evel, son frère, et ils se trouvaient ensemble dans un champ. Caïn s'est levé sur son frère Hevel et il l'a tué. Qu'est-ce qui manque dans le verset? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il n'y a aucun dialogue. Quand on reprend le verset, on s'aperçoit que Vayomer Caïn à Hevel Achiv et trois points de suspension. En d'autres termes, pourtant il est marqué Vayomer. Seulement, ce Vayomer n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'il y a, ici tout de suite, quelque chose de très grave qui apparaît. C'est l'incapacité de Tikshoret, l'incapacité de communication entre Caïn et son frère Hevel. Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Or, regardez, autre remarque importante, c'est que la Torah, ici, change l'ordre. Quand on était dans la salle d'accouchement, on nous a parlé de l'accouchement d'un frère qui s'appelait Hevel. Et ici, on est avec ses deux frères dans le champ et on nous dit que Caïn s'est adressé à Hevel, qui était son frère. C'est-à-dire que son frère, c'est une deuxième chose. Ce n'est pas la première. Et ça t'explique déjà beaucoup de choses. Caïn s'adresse à cet individu, non pas en tant que frère, d'abord en tant que Hevel. Pourquoi c'est important de le savoir? Parce que pour lui, c'est son concurrent. C'est ce qu'on va voir d'ailleurs pour la suite. Caïn voit en Hevel un concurrent. En deuxième plan, il se rappelle que c'est son frère. Vous voyez que les ordres des mots ont été inversés. Et c'est évidemment pas par hasard, c'est même signé fait deux fois dans le verset. Je reprends le verset, regardez, deux fois dans le verset, les mots ont été inversés. Vayomer Caïn el Hevel Achiv. Vayibiotam basade vayakom Caïn el Hevel Achiv vayahargeu. Qu'est-ce que Caïn a tué? Hevel ou son frère? Vous avez compris la question? Qu'est-ce que Caïn va tuer à ce moment-là? Est-ce qu'il va tuer Hevel ou est-ce qu'il va tuer son frère? On continue, parce que peut-être qu'on va recevoir la réponse à cette question. Vayomer Adonai El Caïn. J'ai oublié de dire que Hevel, c'est Abel en français. Vayomer Adonai El Caïn. Et Hevel achicha, vayomer lo yadati, ashomer achi velo, Hevel, ashomer achi anochi. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Caïn et il lui dit, où se trouve Hevel ton frère? Il semblerait qu'a priori Caïn sache que Hevel c'est son frère. Et pourtant Akadosh Baruch Hu a besoin de lui préciser. Nahon, il n'y a personne d'autre dans le monde, je vous assure. Il n'a pas 10 frères,
il aurait du mal à s'imaginer qu'il y a quelqu'un d'autre qui est son frère. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu prend soin de lui préciser « Vayomer Adonai el Kain et Hevel Achicha » ou « Hevel » ton frère. Peut-être tu as oublié que c'était ton frère. Peut-être que pour toi, il y a un concurrent en face qui s'appelle Hevel et tu as oublié que c'était ton frère. Et quelle est la réponse de Caïn? Elle est terrible. Elle est fulgurante. À propos de quoi tu me poses la question, Akadosh Baruch Hu? À propos de Hevel ou à propos de mon frère? Ashomer achi anochi. C'est-à-dire, qu'est-ce que Caïn est en train de dire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que quoi? Je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de celui que tu appelles mon frère. C'est-à-dire, Caïn est en train de comprendre exactement ce que Akadosh Baruch Hu est en train de lui reprocher, de lui préciser pour lui reprocher. Qu'est-ce que Caïn répond à Akadosh Baruch Hu? Tu ne me demandes pas où est Hevel. Tu me demandes où est mon frère. Ce n'est pas la même question. Akadosh Baruch Hu, Caïn a bien entendu ce que Akadosh Baruch Hu lui réclame. Tu me poses la question de savoir où est mon frère, pas où est Hevel. Et comment Caïn a compris que Akadosh Baruch Hu lui posait la question de savoir où était son frère et pas Hevel? Comment il a compris ça? De la question même de Akadosh Baruch Hu, Caïn a compris que Hachem était en train de lui demander où est ton frère. Comment il a compris ça? Parce qu'il entend chaque mot de Akadosh Baruch Hu et qu'il était tout à fait superflu que Akadosh Baruch Hu lui précise que Hevel est son frère. Donc il entend bien dans les mots de Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui demande, qu'est-ce qu'il lui a posé. Il lui a posé la question, et Hevel achicha, mais je sais que c'est mon frère. Et j'ai bien compris ton intention, Akadosh Baruch Hu. Tu ne me poses pas la question de savoir où est mon frère. Où est mon frère? Il est au marché. Tu me poses de la question de savoir qu'est-ce que j'ai fait de mon frère. Et réponse de Caïn, je n'ai pas de responsabilité vis-à-vis de la fraternité. J'ai une responsabilité vis-à-vis d'un concurrent et on a réglé les problèmes. Quand il y a un concurrent qui me dérange, qu'est-ce qu'on fait? On le supprime. Ok. Excusez-moi, je n'arrive pas à comprendre l'accent sur cette différence entre frère. Rien d'autre n'existe aujourd'hui que cet individu qui est aussi un frère. Yofi, grâce à vous, on peut progresser. Pourquoi est-ce que la Torah a tellement décidé dès le départ de mettre l'accent précisément sur le mot achicha? Et si vous comptez du début du chapitre jusqu'à la fin des versets que vous avez, vous apercevrez que ce mot « ach » apparaît 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois, comme les jours de la création. En l'espace de 12 versets, 7 fois apparaît le mot « ach ». Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune et qu'on m'enseignait comment faire une étude de texte, un des moyens qu'on nous donnait, c'est de repérer le nombre de fois que le même mot revenait. 7 fois, la Torah nous oblige à rencontrer le mot ach. Et pour quelle raison? Parce qu'il va s'avérer qu'avec le temps, c'est un message prophétique. Et bien sûr, tout le message de la création n'est pas pour la création. Le message de la création est pour ceux qui vont continuer d'être créés. Ceux qui ont déjà été créés, ils ont déjà passé cette expérience. La question est de savoir est-ce que nous allons profiter des leçons de ce qui a déjà été donné, de ce qui s'est déjà fait dans l'histoire,
pour pouvoir récupérer les échecs qui malheureusement ont été semés au cours des générations. Tout le principe de la Torah est à ce niveau-là. La Torah n'a pas de but historique en nous disant « Regarde ce qui s'est passé ». Si on avait un regard historique sur ce qui s'est passé, ça voudrait dire qu'aujourd'hui on aurait déjà tout dépassé. Tous ces échecs auraient été dépassés. Or, il me semble que de nos jours encore, on a des fois, on rencontre des fois, peut-être que chacun de vous pourra dire combien de fois, on rencontre des fois des situations où quelqu'un s'adresse à son prochain en oubliant qu'il est précisément art. Même dans le sens le plus simple du terme. Je ne parle même pas du sens figuré, même pas du fait qu'on est tous frères. C'est bien beau. Je dis même dans le sens simple du terme. Dans le sens que très souvent, le frère oublie que celui qui est en face de lui, ou alors au bout de la file, du fil, peu importe, c'est son frère. Si on élargit ça à l'ensemble de la société, on va le comprendre un peu plus tard, et vous comprendrez pourquoi je commence cette étude du Tzedek à partir de là. En toujours est-il que la Torah met ici le point sur quelque chose qui est à diagnostiquer. On doit repérer. Ça, c'est le grand enseignement que nous avons reçu de Manitou Zichrono Livracha, enseignement auquel Gérald tenait tellement à propager. C'est qu'à partir de là est posée une équation dans le monde. Cette équation va nous poursuivre jusqu'à la fin des temps. Et le véritable défi que les hommes devront relever n'est pas la capacité de vivre l'un à côté de l'autre, ignorant de l'autre. La capacité de découvrir en l'autre la qualité de frère. Et ça, ce défi-là, il a été tout de suite mis en place avec l'apparition des deux premiers hommes. Et il y a pourquoi, a priori, c'est quelque chose de très surprenant. Pourquoi ? Parce qu'on peut comprendre que des fois, l'autre nous donne le sentiment qu'il ne nous laisse pas de place. Mais qu'est-ce que la Torah nous fait découvrir ? Que ça n'a rien à voir avec la place. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque de Caïn et de Hevel, il y avait beaucoup de place. Et que chacun pouvait avoir sa chambre dans la maison de Dieu. Et que personne n'était à l'étroit. Et que la capacité d'accepter l'autre en tant que frère n'a rien à voir, je vais me servir d'une expression dure, n'a rien à voir avec l'espace vital. Rien à voir avec l'espace vital. La capacité de sentir en l'autre frère n'a rien à voir avec l'espace que l'autre te laisse. Nos sages ont une expression extraordinaire dans la Bible, dans l'enseignement qu'ils donnent, en disant la chose suivante. Quand on s'aime, on a de la place en plus sur le fil d'une épée. Quand on se haït, on n'a pas de place dans la plus grande salle du plus grand palais. On se sent à l'étroit. L'un est à un bout et l'autre est à des mètres de l'autre et il se sent à l'étroit. Donc en réalité, la Torah nous explique ici que dès le début arrive à l'humanité quelque chose qui s'appelle la capacité de la Ahava. Cette capacité de Ahava, c'est la capacité de sentir que l'autre n'est pas contre toi, mais que l'autre te complète. Les Echot, ça veut dire en hébreu la capacité de souder, la capacité de faire qu'on est un à deux. Et pas que un ne supporte pas l'autre, qui restera toujours le deuxième par rapport à moi. Ça s'appelle
Ahva, la capacité d'être Ah. Avec ce nouveau regard de la mon Ah, est-ce que il n'y aurait pas place à redéfinir donc, ce que c'est mon Ah? Est-ce que par exemple Ishmael c'est mon frère? Est-ce que Essa c'est mon frère? Et est-ce que mon frère c'est mon frère biologique? Bien fait, Mehmet. Très bien. Ça nous permet exactement de progresser sur cette ligne-là. Ok? Pourquoi ce débat il est maintenant et il est né avant entre Adam et Chava? Il n'y a pas de frère. Un débat dans la Torah, on ne s'occupe pas de théorique. La Torah, ça s'appelle Torah Tchaïm. Et vous allez comprendre tout de suite. Il n'y a jamais eu d'étude sur les différences sociales avant qu'on ait un État. Parce qu'il n'y avait pas de société. Quand on était tous dispersés, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Tant que ne sont pas nés les deux premiers frères, la Torah, qui est une Torah de vie, ne s'occupe pas des problèmes de cette vie. Elle ne s'occupe pas de ce problème. Elle va traiter d'autres problèmes. Elle va traiter du problème du premier homme dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a à faire? Quelles responsabilités il doit assumer? Elle va traiter de la relation de Adam avec sa femme. Comment il la considère? Comment elle le considère? Qu'est-ce qu'il rencontre en chemin? Etc. La Torah s'occupe de l'apparition de l'histoire. La Torah nous habitue à repérer les méandres de l'histoire de l'homme et de nous expliquer quels sont les nœuds fondamentaux de l'histoire de l'homme. On a ici un carrefour. L'histoire de Caïn et Hevel, qui est une histoire qui est tellement connue, c'est une histoire qui vient nous faire rentrer dans le laboratoire de l'histoire en nous disant, sache une chose, il y a avec la naissance de Hevel une nouvelle équation qui est posée. L'histoire de l'homme est faite d'équations qui doivent faire apparaître des vertus. Une des vertus qui est réclamée de l'homme, une de ses qualités fondamentales qui est réclamée de lui, c'est la capacité d'être frère. On parle de beaucoup de vertus, on parle de beaucoup de qualités qui est réclamée de l'homme. La Torah nous dit, ben, sache une chose, qu'il y a réclamé de l'homme une vertu, la capacité d'être frère. Maintenant, cette capacité, on va commencer à l'étudier, on va commencer à la suivre. Est-ce qu'elle va être capable de se révéler? À l'époque de Caïn et Hevel, dès le départ, on s'aperçoit que c'est une équation extrêmement difficile. On aurait pu penser que ça aurait été quelque chose de facile. Mais ça racole, Caïn n'a eu à ce moment-là qu'un frère. Comme je disais tout à l'heure, il y a des jouets pour tout le monde dans la chambre, il n'y a pas de problème, on n'est pas obligé de mettre un lit à étage, chacun peut avoir son lit, sa chambre, sa salle de bain, tout ce qu'il veut. Et malgré cela, Caïn pense que le monde est à l'étroit. Il y a un débat rapporté par le Midrash entre Caïn et Hevel, où les deux frères essayent de vérifier s'ils peuvent se partager le monde. Alors Caïn dit à Hevel, tu sais quoi? On va se le partager. La terre est à moi. Conséquence? Le ciel. C'est où? Et si tu ne le fais pas toi-même, je vais t'aider. Ok? C'est la même question. Ok? Est-ce qu'il y a une différence dans la Torah entre les enseignements que nous donne de manière négative? C'est une question importante, parce que c'est une démarche d'étude. Et comment se fait-il que la Torah nous fait rencontrer cela de cette façon? Alors, dans un premier temps, la Torah attend de l'homme d'arriver à rester nature. C'est-à-dire que, a priori, l'homme n'aurait pas dû avoir besoin
d'instruction pour être un homme. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Depuis des milliers d'années, on essaye d'expliquer aux hommes comment être des hommes. Mais ils sont nés hommes. C'est ce que la Torah attendait de l'homme. Tous les échecs qui sont rapportés dans le livre de Bereshit touchent exactement à cela. Le livre de Kohelet, l'Ecclésiaste, écrit par Shlomo, dit que HaKadosh Baruch Hu a créé l'homme droit. Et on a une allusion ici à cela, ici, dans ces versets. Pourquoi? Parce que dans le verset Bet, c'est ce qui est marqué. « Vatosef la ledet et achiv et avel » C'est-à-dire que au niveau de la création elle-même, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Un frère. Ça prouve quoi? Ça prouve que ça devrait être naturel. Ça prouve que si l'homme ne se laisse pas entraîner par des calculs sans fin, il a en lui cette capacité. C'est ce que j'ai fait remarquer tout à l'heure. Quand la Torah a présenté la naissance de Hevel, elle n'a pas présenté le kiddush de la Brit Mila, où on dit « Veikare Shmo Beisrael Hevel ». Ce n'est pas ce qu'elle nous a présenté. Elle a dit que Chava a nouveau accouché d'un frère qui s'appelle Hevel. C'est-à-dire que Hevel, il n'est pas appris, si on va jusqu'au bout de la pensée, en réalité, il est né pour être frère. Il n'est pas né pour être Hevel, il est né pour être frère. C'est-à-dire qu'il y a ici une révélation naturelle de ce que l'homme porte en lui. Ce que la Torah nous apprend par tous ses échecs, c'est que l'homme, en réalité, doit faire des efforts pour ne pas être ce qu'il doit être. C'est le contraire. C'est le contraire de ce qu'on pense. En général, qu'est-ce qu'on pense? Quand on s'est habitué à une certaine façon de penser et une certaine civilisation et une certaine ambiance intellectuelle, c'est qu'en réalité, l'homme ne peut pas être bon et qu'il doit faire des efforts démesurés pour essayer de ce qu'il doit être. Or, la Torah nous dit non, c'est le contraire. En réalité, quand Chava a accouché de cet homme-là, elle a accouché d'un frère. C'est-à-dire que Caïn, naturellement, aurait dû se comporter en lui comme un frère. Il aurait dû prendre son frère au Gan Misraqim, lui apprendre comment on descend le toboggan. C'est ce qu'il aurait dû lui faire. Or, il a commencé à faire des calculs. Par exemple, il s'est aperçu que son frère, dans certains domaines, était meilleur que lui. Comment il est meilleur que lui? Mais c'est moi l'aîné, et il est meilleur que moi? Ça veut dire quoi, ça? Si je suis l'aîné, je suis forcément le meilleur. Or, comment on arrive à une situation où le sacrifice de mon frère, qui n'est que le deuxième, faites attention à ce que je suis en train de dire, parce que c'est quelque chose qui va revenir. Comment se fait-il que le deuxième est meilleur que le premier? Si je suis l'aîné, j'ai tous les droits, puisque je suis le nez. C'est-à-dire que je suis le plus beau, le plus fort, le meilleur, etc. C'est moi qui offre un sacrifice, on doit tout de suite l'accepter. Or, Hevel lui explique que la valeur de l'homme ne se détermine pas forcément par le fait qu'il soit né le premier. On peut être naître né le premier et laisser ses qualités à celui qui est le deuxième. Et exactement, c'est l'équation qui doit être maintenant résolue. Et si Caïn avait compris ce qui était présent, il aurait réussi l'histoire de l'humanité à ce moment-là. Toujours on pose la question, alors qu'est-ce qu'on aurait fait? Ne vous inquiétez pas, il y a suffisamment de travail. Excusez-moi. Caïn a toujours été présenté comme un être immoral, un meurtrier. Aujourd'hui, avec l'éclairage que vous avez sur l'histoire et ce besoin, cette lecture à la fraternité, il a fait quoi, Abel, pour empêcher son frère de faire ce qu'il a fait? Quel geste il a eu à l'égard de son frère? Quel geste de fraternité il a eu à son égard? Quel geste d'amour il lui a donné pour l'empêcher d'être le meurtrier? Kol hakavod. Kol hakavod.
Quelle est la question qui est posée? Mais l'autre aussi doit aider à être frère. Et quel a été l'échec de Hevel? Qui n'a pas aidé la responsabilité sur Caïn. Ce qu'on vous a enseigné est vrai. C'est un meurtrier. Ne vous imaginez pas qu'il avait des problèmes génétiques. C'est un meurtrier. Mais quel est ce que Caïn, qu'est-ce que Hevel aurait pu faire de plus pour empêcher Caïn peut-être d'arriver à cet acte-là? Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de Hevel? Pardon? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu, Myriam. Ok. Il n'y a pas une tentative aussi de Caïn de faire quelque chose? Yomer, Caïn, il prend l'initiative de faire quelque chose. Il fait quelque chose. Parle. Il n'aurait pas dû l'éduquer, c'est-à-dire avoir un rôle d'éducateur. Caïn, Hevel aurait dû deviner que ce qui s'est passé avec le fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné à préséance à Hevel en acceptant son corban, et quelque chose qui était un piège pour Caïn. Alors, par exemple, Hevel, on sait qu'il a fait ce qu'il fallait en offrant le corban. Il a été choisir la meilleure chose, le meilleur agneau, etc. Tu le sais. Dis un mot à ton frère. Quand tu le vois prendre, il a été prendre la dernière des choses. Et c'est pour ça que son corban n'a pas été accepté par rapport au corban de Hevel. Hevel, si toi tu sais comment servir à Kadosh Baruch Hu, alors va le dire tout de suite à Caïn. Tu le vois, il est en train de prendre quoi? Qu'est-ce qu'il est en train de prendre? Quelques herbes? C'est ce qu'il amène en corban. Va lui dire, c'est pas comme ça qu'on fait. Hé, mon frère, Ari, c'est pas comme ça qu'on fait. Ne le laisse pas flancher. Ne le laisse pas tomber. Tu vois qu'il va tomber. Tu vois qu'il est dans l'erreur. Cours, va lui dire. Nachon. De là, on apprend une idée qui est importante. De là, on apprend une idée qui est importante. Ça n'enlève aucune responsabilité de Caïn. Mais néanmoins, quand quelque chose de négatif apparaît, il y a toujours une question à se poser au niveau de celui qui est impliqué dans cela. Est-ce qu'il y aurait quelque chose qui aurait pu être fait pour aider l'autre à être meilleur que ce qu'il a été? C'est-à-dire que ce défi de fraternité, c'est un défi qui est réciproque. C'est pas, on peut pas, on n'est pas frère à sens unique. Et c'est-à-dire que très souvent, effectivement, l'autre, il a du mal à être frère. Il n'a pas encore compris. Et c'est pas toujours facile de l'y amener. En tout cas, c'est une étude qu'il faudrait pousser beaucoup plus profondément, mais il y a ici quelque chose d'important. Nos sages trouvent une allusion à cela dans le mot même de Hevel, qui veut dire... Vous n'avez pas étudié l'Ecclésiaste? Hevel havalim, akol hevel. C'est la même que Joseph. Ok, top, on va y arriver. Alors, à partir de là, effectivement, comme ça a déjà été souligné, on s'aperçoit que cette histoire de l'Arva, que cette histoire de la capacité d'être frère, c'est une histoire qui ne fait que commencer par Caïn et Hevel. Elle ne fait que commencer. Et à partir de là, Manitou Zichrono Livracha nous a appris à suivre l'histoire de l'homme à travers ça. C'est comme on prend une loupe. Les historiens cherchent toujours des lignes conductrices dans le développement de l'histoire. Toujours. Todarabha. Alors il nous a appris que ça, c'est une ligne conductrice dans l'histoire des hommes. Et effectivement, vous l'avez déjà compris, par exemple, toute l'histoire des Avot, toute l'histoire de nos patriarches, est semée de quoi? De ce thème-là. Est-ce qu'il va y avoir deux frères qui vont être capables d'assumer leur capacité de frère? Yitzhak et Ishmael,
Yaakov et Esav qui vont encore plus loin. Eux, ils sont déjà des frères jumeaux. Alors on va jusqu'au bout. Et ça ne s'arrête pas là. Yosef et ses frères. Et à travers cette ligne conductrice, petit à petit, on s'aperçoit que c'est un thème incontournable. Incontournable. De quel côté que tu te retournes, tu peux dire, non, Ishmael, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est un rêveur. Mais le problème, c'est que c'est marqué en toutes lettres dans la Torah qu'il s'agit du frère. Que Ishmael, qui est l'aîné, chez Abraham, ne supporte pas l'idée que Israël soit meilleur que lui. Que Esav, qui est l'aîné, ne supporte pas l'idée que Yaakov est meilleur que lui. Et que les frères qui sont nés avant Yosef ne supportent pas l'idée que le Ben Zekounim, c'est quoi Ben Zekounim? Pardon? Non, le pshat, c'est quoi Ben Zekounim? Le petit. Le Benjamin, le petit. Ben Zekounim, celui qui est né vers le tard. Il est meilleur que les autres. Et Yaakov Avinu lui enseigne toute sa Torah. Il prend son fils Yosef et il lui enseigne toute la Torah. Et les autres regardent ça et disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Nous, Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, et Makor est bon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le petit, il est meilleur que nous, c'est impossible. C'est une histoire qui ne va pas s'arrêter et qui va continuer et qui va nous conduire à travers la question de savoir, est-ce qu'un jour l'équation va se résoudre? Vous avez maintenant un deuxième texte qui parle de l'histoire de Yosef et de ses frères. Regardez, juste à côté du texte qui parle de Caïn et Hevel, j'ai amené le texte qui parle de Yosef et de ses frères. Et à nouveau, quel est le mot qui va apparaître le plus? Première ligne, deuxième mot. L'Echav. Troisième ligne, fin de ligne. Vaye sa père et la vie ve l'Echav. Deux lignes d'après. Avo navo ani veimecha veachecha l'ishtachavot l'echavtsa. Pasuk yud alef. Vaye kanu bo Echav. Pasuk yud bet. Vaye l'chu Echav. Pasuk yud gimel. Vayomer Israël el Yosef. Allo achecha roim bishchem. Lecha veeshlachacha aleem vayomer lo hinneni. Hinneni est un mot qui est très fort. Hinneni, c'est Avram quand Akadosh Baruch Hu lui demande de prendre son fils à la Akeda. C'est Moshe Rabbeinu au buisson ardent. Mais c'est Hinneni. Qu'est-ce qu'il lui demande? Qu'est-ce que son frère demande Sarakol à Yosef? D'aller voir ses frères. Hineni. Mais c'est Hineni. Regardez ce que Rashi dit en bas, sur la gauche, Hineni. Yud Gimel, première ligne, Lashon Anava Uzrizut. C'est-à-dire, modestie et zèle. Pourquoi il y a besoin de tellement de modestie et de zèle pour aller voir comment vont tes frères? Continue Rashi. Qu'est-ce que Yosef sait? Que son père l'envoie relever un défi. Quel est le défi? Est-ce qu'il va trouver des frères? Il envoie chercher ses frères. Il les connaissait, ses frères. Seulement, Yosef savait très bien qu'en réalité, son père l'envoyait vers quelque chose de très dangereux. Et pourquoi Yosef a quand même accepté? Hineni. Vous savez ce que ça veut dire, Hineni? Hineni, en réalité, en hébreu, ça veut dire Hine Aani Sheli. Prends mon être. C'est ça que ça veut dire, Hineni.
prends mon aide. Il naît à Ani Sheli. Pourquoi est-ce que Yosef accepte? Parce que? Parce qu'il veut faire réussir l'histoire des hommes. Il veut faire réussir l'histoire de la fraternité. Est-ce qu'il va réussir? Suspense. Est-ce qu'il va réussir? On continue. Pasuk Yudalet. Vayomer lech na re'et shlom achecha ve'et shlom ason. Vashi veni davar. Vayishlacheu mi'emek chevron vayavo shechema. Donc il arrive vers Shechem. Pasuk Tedvav. Vayimtzeu ish. Il rencontre un homme. Ve'ine toe basadeh. Et cet homme-là voit que Yosef erre. Il n'arrive pas à trouver ses frères. Mais il y a. Vaïcha le ouaïch, les morts, matevakesh. Et cet homme, qui se trouve par hasard là-bas, et nos sages nous révèlent que c'est un ange, dit à Yosef, dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Il ne lui demande pas qui tu cherches, il lui demande qu'est-ce que tu cherches. Vous savez la différence en hébreu? Qu'est-ce qu'il aurait dû lui demander? Et mi atam vakesh, il a fait meod. Il lui dit pas ça. Il lui dit ma te vakesh. Qu'est-ce que tu cherches? Quel est le but de ta recherche? Réponse: Vayomer et ahay anochi mevakesh. Lo mechapes mevakesh. Regardez la remarque phénoménale de Rashi. Et achai anochi mevakesh. La remarque de Rashi, pasuk tetva, vayim tsayu ish, ze Gabriel. On apprend que c'est le malar Gabriel. Réponse de Gabriel quand Yosef dit qu'il cherche ses frères. Vayomer pasuk yudzain, c'est la fin des versets. Vayomer aish nas'u mize. Mazen nas'u mize. Mazen nas'u mize. Ils ont voyagé de cela. De quoi de cela? De quoi de cela? De ce que tu réclames. Ils se sont éloignés de ce que tu réclames. Rashi dit nas'u mize isiu atzman mina achva. C'est-à-dire, Yosef, l'Oved, ça ne marche pas. Tu as voulu maintenant faire aboutir l'histoire. Yosef a été prêt, à aller jusqu'au bout. Il est prêt à ce moment-là à aller jusqu'au bout. Et achai anochi mevakesh. Réponse de l'ange, le temps n'est pas arrivé. Ça ne va pas marcher. Eh bien, et la preuve que ça ne va pas marcher. La preuve que ça ne va pas marcher. Ils vont le vendre. C'est qu'ils l'ont presque tué. Et dans les négociations entre les frères, le mot frère n'apparaît pas quand on parle de Yosef. Entre les frères, le mot frère n'apparaît pas. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'à ce moment ultime, Yosef sait exactement. Quel est le défi qui est à relever? C'est pour ça qu'il a dit Ineni. C'est un mot qui est très rare dans la Torah, Ineni. On l'emploie que pour les circonstances exceptionnelles. Et il dit Ineni. C'est-à-dire, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je veux trouver la Ahva depuis la création du monde. Depuis la création du monde. Il y a plus de 2000 ans où la Ahva n'a pas encore été trouvé, où ce défi n'a pas été réalisé. Et il est à ce moment-là, son père lui réclame d'arriver à résoudre cette équation. Et on s'avait dit, je suis prêt, et je suis prêt à me mettre en danger pour cela. Et l'ange Gabriel lui révèle que le temps n'est pas encore arrivé. Est-ce que ça ne contredit pas ce que vous avez dit tout à l'heure? Parce que si l'Arva existait au début, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas de défi. Mais est-ce que Joseph n'a pas besoin d'une leçon? Parce qu'après avoir dit à ses frères qu'il les voyait à
ses pieds, je crois qu'il avait aussi besoin de la vanité. On revient donc au thème de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aider l'autre aussi à être frère, et que Yosef avait sa part de responsabilité, son père l'a grondé, et son père l'a grondé, d'ailleurs à propos de cela. Mais l'achva, elle est présente au fond de l'homme. La meilleure preuve, c'est que Yosef la réclame. Seulement, il faut un partenaire pour être ach. Il faut un partenaire pour être ach. Yitzhak était prêt à être le frère de Ishmaël. Esav, Yaakov était prêt à être le frère de Esav. Il était prêt. La preuve, c'est qu'il a refusé de recevoir la bracha à sa place. Il était prêt. Et donc on arrive à ce moment-là. Vous savez que finalement, comment l'histoire va se terminer ? Vous savez comment se termine l'histoire, le livre de Bereshit ? Comment se termine le livre de Bereshit ? Tout le Chumash, le livre de Bereshit tout entier, par quoi il se termine ? Par quoi ? Par les retrouvailles entre Yosef et ses frères. Et après le décès de Yaakov, les frères meurent de peur. Que quoi ? Que Yosef se venge. Parce qu'ils ont cru que ce que Yosef s'est révélé à eux en tant que frère, c'était uniquement parce que Yaakov était là, le papa disait « Et j'exige de vous d'être unis, mes enfants. » Vous connaissez des parents qui ne disent pas ça à leurs enfants ? Alors ils ont dit « D'accord, jusqu'à présent il s'est bien conduit, il ne s'est pas venché de nous, malgré tout ce qu'on lui a fait, il a été large, etc. » Mais c'est à cause de Yaakov. Et maintenant que Yaakov n'est plus là, peut-être que Yosef, comme nous, nous sommes éloignés de la fraternité. Lui n'est pas capable de nous rejoindre. Et qu'est-ce que Yosef fait ? Yosef révèle que lui et ses frères sont là pour faire réussir l'idée de la Ahva dans le monde. Et ils réussissent à être frères. Seulement, Rabbeinu Bechaye amène un midrash terrible qui dit que le temps que ça a pris, entre le moment où Yosef est allé à la recherche de ses frères, et que l'ange Gabriel lui dit, non, ils sont pas du tout dans ce sens-là. Asvo et Ahva, fais attention, tu es en danger. Entre ce moment-là et le moment de la fin du Chumash Bereshit, où finalement ce défi va être relevé, et Yosef et ses frères vont réussir cette aventure, il y a un prix entre-temps qui a été fixé. Et il amène Rabbeinu Bechaye un midrash qui dit que les 10 chachamim qui, à l'époque du deuxième temple, vont être martyrisés, Rabbi Akiva et tous les rabbinim avec lui, Asara Rugim Malchut, dont on dit une lamentation le jour de Tisha B'Av, et les Ashkenazim le disent pendant les Yamim Noraim. C'est à cause de ce temps que ça a pris pour découvrir l'Arva. C'est le prix qui est à payer. C'est-à-dire que le prix de l'Arva va être payé par les tzadikim.